Les homosexuels iront en enfer. Aucun homosexuel ne verra Jésus. Coucher avec un homme, ce n'est pas un péché. Les gens couchent avec des cadavres pour avoir de la puissance. Ne remettez plus jamais les pieds ici. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Voilà. Mais ce sont des PD. Ferme-moi. On dirait qu'il y a des femmes aussi dedans. Hein. Eh, bon, anga ta. C'est pas possible. Abat les PD. Abat les homosexuels. Tout est gâté. Un homme qui couche avec un homme, mais ça c'est un péché. Voilà. Coucher avec un homme, ce n'est pas un péché. Quoi? Coucher avec un homme, ce n'est pas un péché. Pourquoi ce n'est pas un péché? Parce que ce n'est pas dans la loi. Celui qui couche avec un homme n'est pas en train de commettre un péché. Hein? Lui là, c'est pas un païen même. Je sais que quand tu es là, tu penses que je suis un païen, c'est pas grave. Je n'ai pas dit ça. Quand les gens couchent, les hommes couchent entre eux, ne les mettez pas dans notre affaire de péché. Mais Dieu même l'avait dit, non? Dieu n'a jamais dit que c'est un péché. Aujourd'hui, on impose même à certains pasteurs de bénir des mariages homosexuels. Ah, mais il y a des pasteurs homosexuels aussi, hein? Il y a des pasteurs homosexuels qui s'embrassent. Tu vois, non? Les pasteurs homosexuels sont des maudits. Hey! Un homosexuel qui dit qu'il est chrétien, c'est un maudit. Ferme-moi. Dans tout cela, c'est les pasteurs qui souffrent. Voilà. Aujourd'hui, prêcher la saine doctrine en Europe, tu dois être courageux. Hey. Mais pourquoi? On peut t'arrêter parce que tu as dit la vérité. Hey. Pasteur, tu fuis la persécution, tu refuses de parler de l'homosexualité. On viendra fermer ton église. Parce que tu n'as pas ceci, parce que tu n'as pas cela. Si moi-même dans mon assemblée, quelqu'un dit qu'il est baptisé, on apprend que John Sondori a son ami garçon. Mais tu es un homme à chasser. Un homosexuel qui s'introduit au milieu de nous pour ne pas qu'il détruise la vie de nos enfants. On va lui dire, il y a plusieurs églises, il faut aller quelque part. Comment tu vois ton ami garçon et puis tu laves tes lèvres? Moi-même, je ne le comprends pas. Un garçon qui donne son derrière à son ami garçon, c'est un maudit. Voilà. Même Satan, lui-même, votre père, n'est pas allé vers Adam. Même les coqs masculins ne suivent pas les coqs masculins. Ça là, ça n'existe pas. Levez-vous. Ce pasteur là quoi? Je sais que vous êtes là. Vous pouvez assumer maintenant. On dirait qu'il y a des homosexuels dans cette église. Hein? Hein? Plus besoin de se cacher à Bess Maple. Tout est gâté. David, Charles, oh oui, c'est un homme gay, il n'y a pas de doute possible. Le temps que je quitte le pays. C'est merveilleux, non? De voir la véritable identité des gens. Ensuite, nous devons tous leur dire de dégager de là. Les homosexuels le font trembler de dégoût. C'est gâté, man. Ne remettez plus jamais les pieds ici. Si un homme couche avec un homme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Peut-être qu'ils sont homosexuels. Personne n'est né homosexuel, c'est le démoniaque, c'est un démon. L'homme commence à coucher avec l'animal. Les gens couchent avec des cadavres pour avoir de la puissance. Il peut acheter un cadavre pour devenir de plus en plus puissant. Des femmes qui se promènent avec des chiens, mais le chien c'est son mari. Ferme-moi. Et puis ce sont ces personnes qui deviennent de grands types dans ce monde. Hein. Ce sont eux qui ont l'argent. Ce sont eux qui ont les réseaux sociaux. Ce sont eux qui deviennent les chefs. Pasteur Massolo, dis-moi, d'où vient le lesbianisme et l'homosexualité? Faites attention aux internats. Tu prends ton enfant innocent et tu l'emmènes dans un endroit. Il a 12 ans avec des gens qui ont 25 ans, 23 ans, seul, sans personne. Une année, ils ne voient pas de garçons. Une année, sans filles. À l'école, les filles s'embrassent devant tout le monde.
Un homme ne peut pas épouser un homme. Une femme ne peut pas épouser une femme. Et c'est les homosexuels qui iront au ciel. Aucun homosexuel ne verra Jésus. Les homosexuels iront en enfer. Ils seront punis de mort. Hey! Milou, Milou. Rentrons à la maison, faut pas ils vont dire à Dieu qu'on en fait partie. Faut partager la vidéo. Ok. Alors je vous fais de gros bisous. Tous les gens qui m'ont regardé, vous n'avez qu'à vous bonner.